Laissez jouer le scorpion, salut et bienvenue à toi, j'espère que ça va bien. On se retrouve pour le 54e épisode sur Elden Ring. Et donc, on est toujours sur le plateau Altus. Et bah là, les choses les plus roches. Donc, je peux enlever ce repère là. Et je peux enlever celui-là. Et bah, on va se faire l'arbre. Puis on va faire la grotte. Et puis les ruines ici. Voilà ce qu'on va faire pour aujourd'hui. Donc on met ça, hop, on met ça, la lumière un peu. A priori l'arbre devrait pas être trop compliqué si c'est la même technique que les autres. Longtemps ces affaires noires, non, ça va. Ah, c'est pas le. Bah, soit on se tue, presque. Alors, par là-bas. Ok, il ne peut pas y avoir de boss à cet arbre-là. Ah si, si je pète le candélabre, je vais avoir quelqu'un à suivre. Ah non, faut examiner. Ok, il me dit d'aller par là. Ah. Ah c'est ça, les pas dorés. Les trois bonhommes. Alors où est-ce qu'il m'emmène? Vers les ruines. Un peu long, hein, marche plus vite. J'avais l'impression qu'il y a quelque chose qui allait me foncer dessus. Il m'emmène où? Dans la grotte, quoi. Allez, va plus vite. Ouais, ça a l'air qu'il m'emmène vers la grotte. Ou pas. Vieillard, pourquoi? Vieillard, droit devant. Point. Point de contrôle probable. Bon bah il m'emmène dans la grotte, donc allons là, on va visiter les ruines plus tard. Et ça commence par un ascenseur. Alors est-ce qu'il y a un endroit où faut sauter? Et oui, comme d'habitude.
Galerie d'Aldus. Bon, on va essayer de... Eh merde. C'est pas ici qu'il faut sauter. Ah ok, on peut faire comme un raccourci. Alors, quel type d'ennemi on va avoir ici? Je vais dire la même chose que d'habitude. Des gars avec des piques. Non, des espèces de mages. Alors ici on a la zone là-bas. Là on va avoir... Digi Cargo! Flèchette de cristal. Déjà vu quelque part, quelle surprise! Et c'est du one shot! Qu'il y a d'autres choses à récupérer en bas. Bon, il y a plein de chemins partout. Merci le jeu. Je sais plus où j'allais. Déjà le boss ? Deux. 102. Ah là là, la fameuse lancière qui me fait chier. Allez, brise-toi. Adios! Perle de mineur de paille de pierre sombre. Ouais, de. Bon, on va partir tout de suite. On va explorer le reste de la grotte. Y aura-t-il un autre boss? Alors, donc,
Je venais d'en bas. Il y avait le chemin là. Il y a un chemin en haut. Allez, allez. Qui lance des trucs. Quoi? Tu te trompes d'étage, mon petit. Bon, puisqu'on est en bas, on va aller là. Oh non, pas un truc qui te balance des roches. Hein. Bah. On va voir ça plus tard pour finir. Ah. Huit sacs. Bon, bah, pas le choix. On est rendu à aller là. Une potion. Donc, même en courant, c'est chiant. Ah, qu'on peut quand même se protéger. Ok, attends, enlève ça, toi. Ok, en plus, il va falloir monter. Là-dessus. Bon, ça va, c'est pas compliqué de se rendre là. Les magies, les chiens. Oui, très chiant. Comment c'est sûr qu'il avait accumulé autant de projectiles? Pas bien regardé. Ok, bon. Il a sauté comme une quiche. Les autres, ils se ramènent, ouais. Donc là, si je comprends bien, il faut sauter ici, ici, on monte là. Et on peut plus monter. Ça glisse. Au pire, je vais juste me protéger. Les roches font pas si mal que ça. Allez, pêche.
Allez, lance tes cailloux. Allez, relance tes cailloux. C'est quoi? Il faut sauter ici. Ah, je l'avais pas vu lui. Est-ce qu'on peut vraiment monter? Ok, oui. Allez, je m'en fous des cailloux. Talisman. Ok, d'accord, on peut pas aller plus loin. Et maintenant, mystère, comment on va de l'autre côté? Il y a une branche d'arbre qui vole là-bas. Oui. Pourquoi je mets tous mes coups à côté? Bon, ça va vers le boss. Puis ça allait vers du néant. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas chemin caché? Ah. Non. Il n'y aurait pas un endroit où il y aurait une branche qui mènerait à quelque part. Dis-moi s'il y a un rock petit. Ok, bon. Dans la salle du boss, il n'y a pas d'autre chemin. Donc c'est forcément au niveau de l'ascenseur au début. Ou alors je m'imagine des choses, puis on peut vraiment pas y aller de l'autre côté, mais on dirait qu'on en pouvait. Non, ça ne sert à rien, c'est vraiment si on veut pas prendre l'ascenseur. Ok, bon. On va arrêter de chercher midi à 14h, on va s'en aller d'ici, c'est tout, je tue le boss. Puis regarder sur internet, sur les cartes, il y a des indices pour traverser, puis on se re-téléportera.
là on va pouvoir explorer les ruines en face. D'ailleurs j'ai pas trop de vie hein. Alors, dans ces ruines, ça fait des bruits bizarres. Ok, il y a plein de bonhommes qui crachent du mort machin. Allez, arrête de monter, ne monte pas plus à vous. Des excréments dorés, super. Ok, je viens de voir, les escaliers sont juste là. Hein, les autres, je vais en mettre 1000, puis là, oh, peut-être raté mon coup. Ok, oh, on peut bien me rendre une potion. Bon. Qu'est-ce qu'on a ici? Pas un boss. Bien. Kourou doré. Bon, je pense à la seule chose qu'on va trouver ici. Ah, maintenant que je fais du feu, je les éclate, ces affaires-là. Les limons. Oh, allez. Ah, c'était pas la même chose. Hop, 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 hop. Un coton doux. Allez, viens. Ah merde. J'ai pas vu que ma jauge était si haute. Ah merde. Ceux qui ont les capes vertes, ils sont un peu plus résistants que les autres. Oui, des sylvains. Eh bien, ramène-toi. Oups. Ça, c'est ce qu'on appelle un coup raté. Ça
ça pour de la viande blanche séchée vivifiante. Alors, bon. Ok, y a rien là. J'ai vu de la lumière tantôt ici. Ok, c'est le candélabre que j'ai suivi. Ouais, c'est ça. Oh, ça monte vite. Bon. Ah, ici il y a des choses intéressantes. Un bouclier. Et du granit. Hop, on fait ça, avec ça, avec ça. Ah, un coup de bâton. On éclate la gueule des limaces. Voilà, voilà. Arrête de vomir, toi. Malade, rentre chez vous. Bon, on a ramassé un bouclier, c'est le fun. C'est bien. Maintenant. Encore d'autres parties de runes. Ah non, non, t'enfuis pas toi. Okay. Bon, fracassant doré. Manuel de guerrier. Cool, des nouvelles recettes. Il y avait pas un gars qui crachait des affaires hein? Ah, ok. Ok, bon, je pense qu'on a pas mal exploré ces ruines. Il n'y a pas l'air d'avoir de boss arbre ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut aller voir d'autre? On peut aller voir les ruines là-haut. En faisant le tour, il y a l'air d'avoir quelque chose ici, puis il y aura le village là-haut. Ah, lui il cache quelque chose. Merde! Je pensais que j'étais sorti de la zone. Avec les ruines, je voyais pas. Ah là là. Bon, heureusement que j'ai fait redescendre l'ascenseur. Alors, c'est quoi le bouclier qu'on a ramassé? Celui-là, le bouclier de l'icône. Ok, il a l'air sympa.
Ah ah! Ok, d'abord récupérer les runes. Il y a quand même un bonhomme de même géant. Merde. Bouge! Et tout ça pour une masse de chair. Bon. On va quand même nettoyer le terrain. Allez hop. Toi. Non, 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 non. Oh, c'était limite. Merde, 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 l'arbre il est où? Ah, le voilà. Ok, il prend mal. De verre. Ah, faites attention aux zones de malmort. Je fais l'endurance. City facile. L'arme de cristal pourpre fendu et la larme solidifiée tachetée. D'ailleurs, je pense qu'il me manque. Il manque ça. Non mais non, 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 mais non. La troisième potion. Ah, effigie, c'est bien ça. On va apparaître à côté. Oui, ou presque. Ah, merci d'avoir mis mes runes juste à l'entrée ici. Ok, bon. Mon dieu, faut pas rester là-dedans. Ok, bon. Mon but, ouais, c'est ça. Faudrait que je trouve un nouveau site de grâce. Il doit en avoir un dans la zone ici. On peut pas croire qu'il n'y en ait pas. Bon, les restants du pont, c'est là. Ouais, on va pouvoir monter dessus. Et. Mais non! Comment je peux me faire toucher par ça? Bon, mon but c'est pas de descendre. Oh! Une graine dorée. Ok, bon.
je vois quelque chose. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. Zone safe un petit peu. Ok, donc j'espère que tu as aimé cet épisode et si c'est le cas, mets un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, coche la cloche pour ne rien manquer, mets un commentaire et partage la chaîne avec tes amis. Et quant à moi, je te dis à de prochaines aventures, ciao, bye bye.